Bonjour peuple congolais. Je suis Christian Bolambia, maman de peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi est dans le cadre de Front Citoyen. Et donc, Tozali Nakati à Front Citoyen, Tozali Kobunda, pour na ko sikola mboka na biso, mboka oyo, tout le monde n'a pas si mboka oyo, to kitain na ba koko na biso, mboka oyo ba koko na biso, ba monaki pasi, donc ba bunda ki pe, et bitumba yango yo toujours continue ti lelo, donc mboka oyo, ba tike la biso, to koyo tika yango te. Donc, ils allient à Bissot, ils allient à Yo, ils allient à Ye, ils allient à Nga, ils allient à Bissot Nyosho. Et c'est ce qui est très important pour la construction de la démocratie. Donc, les autres, les solos, ils ont eu la session. Session parlementaire, ils allient au fond le 15 mars et au Kanga le 15 juin. Donc, ils allient session, il y a Souka, il y a régime, il y a Kanambe. Ils ont dit session ya souka juridiquement ya régime à Kanambe, session ya souka juridiquement ya ba député, ya ba parlementaire congolais, ba sénateur. Donc yango tozali koloba boye, ils ont dit session de tous les enjeux politiques. Enjeux engeloba nini, enjeux engeloba eloko bokoyi ko gagner et puis eloko bokoyi ko perdre. Donc yango to bengango enjeux, donc enjeux politiques. Parce que Kanambe nani nanu a silici ba stratégie na été. Il faut te faire beaucoup d'attention, te fungola mis au peuple congolais. Puisque déjà tu y baki avant ba kanga session na bango parlementaire ou elikaki Kanambe lo ni a salaki. Abane jako ko multiplier ba stratégie ko somba ba parlementaire de sorte que va voter loi organique. Puisque, souci de la banque, il faut faire un référendum. Professeur Bocha, il faut faire un référendum pour faire un glissement. Il faut faire un référendum pour faire la population. Donc, on a un référendum à l'Okuta pour voter donc, au troisième mandat. Va modifier la constitution. C'est ça le glissement. Et tout le monde, quand on dit la vidéo, on attend. On a dit Tozali, ba sinzili na bino. Peuple congolais, puisque tout ça, c'est une binou, tout ça, dit obligé, il y a qu'on répéter, il y a qu'on rappeler binou, pour na, tobo sanate ou bobo sanate. Donc, professeur Bouchab, na gouvernement, ou y a bango, va proposer qui déjà, bah ça, la loi organique. Loi organique, c'est la loi qui complète la constitution, puisque la constitution va parler d'un référendum. Constitution va parler d'un référendum. Mais si il faut une loi adaptée d'un référendum, ben une loi organique, c'est une loi qui complète la constitution. D'où y a moins si quoi yo, bah mekaki, mais basalé ko keneba kanga session wana, y a moins ko baso zonga, malo ezali session de tous les dangers, de tous les enjeux aussi. Na yango toza ko belé la piololo piololo, bana ya Congo, bana ya diaspora, bofungo la misu. Combattants, résistants, bofungola misu. Politiciens congolais, fungola misu. Na moment oyo ezali mutunyos tu il faut que ça la bloque. Mutunyos tu il faut que ça la mboka na yo. Régime wana oyo ya bapaya ezali nde ko kende. E ba tikali ne loko ya mukie oyo tikali na bango ezali pe ya mutuya session parlementaire o bazo fungola ya suka suka. Ce qui va salir en haut, va au Kangango en juin, va au Fungango le 15 mars, va au Kangango en juin. Et après, on a. Tu recoutes la chouna bango, tu n'as pas de kanaka. Mais danger Zali, puisque Babimissi Misolo, déjà, tu yo qui en haut, tu joues en haut, tu service, tu as renseignement, tu service à peuple Mokozo, tu as un kata terrain, il y a renseignement. Na Congo. Bah y'a bimisi miso, kana bah bimisi misolo. Abimisa qui déjà liboso, abimisi sou misolo. Et na yango, yango toloba kake politicien mouta bongisa ka politique yambo kanaye. Et bah député, bango mouta ba vota ka ba loi. Bah ndeko nangayi, et bah ministre, bango pe ba proposa ka loi et yaka, donc ministre a proposé. Aye nango, a vu idée, aye nango, ou ba association pe, na ba mboko organize ba association et pe sa rapé,
dans ministre au bas dans la tendance na bango ou bien va solliciter bango va proposer à travers bas ministre et les carapés et bas ministre ce qu'on va dans le gouvernement et comme ici quoi au projet à gouvernement de bah il faut proposer ce qu'on a parlement pour là-bas valider en pour la bande d'imayango et bas association bah association bah opérateur économique à minéne les autres opérateurs économiques na Congo bah Tigo bah Orange bah Boe Boe lobby lobby bah quoi influence ça bah loi ya mboka à côté économique et c'est ça et marche à bon monde dans monde entier bah loi mingi na mboko to vandi ezali ko uta aussi na opérateur économique ce sont des acteurs économiques mais politiques aussi ya mboka bien que bah rose un peu étranger puisque bah l'autre a peu intérêt na bango donc biloko wana il faut fungo la misu loi et uta kaka na ba association té ou ta gal ba politicien té et ou ta aussi na ba opérateur économique et le lo na Congo Congo est fumami et komi mboka moko oyoke donc ba multiculturalisme ezali ko ya malé malembe ouverture est fumami donc ça dire ba opérateur économique ya mbongo ya mingi ya oba simi mikili ya mokili mikili ya poto partout nde ba étendre ba action na bango kuna bah Orange, bah Vodacom, bah Tigo, etc. Lobby bah kozala bah acteurs principaux ya mboka wana, c'est-à-dire pour na mibeko, pour na bango pe bah survivre. Bilo ko wana faut tous à la préparer déjà. Et biso la peuple mo kozala tous à préparer. Donc c'est-à-dire bah ndeko nangai, yango to loba ke mboka na biso depuis 1885, ezalaki ya batu mwindu, mais depuis date wana e koma ya batu nyonso, puisque mutu nyonso aza obligé ata mwana mboka oyeye pa lingi, asa la ba faire, mais a respecter mibeko ya mboka wana. Pour mitoye na mwole lo ezali, donc ezali très sérieux, dernière session, donc session de tous les dangers, ezali wana kanamba bimisi misolo. Donc, groupement na ba mwana boyebi ba bimisi misolo ya il y a kafu kafu donc bah tout power donc bah bimisi misolo kafu kafu puisque bah ébiké kokwe na bango ya ngoana ce qui bah longi et tumba oyote ko bimana parlement et tozali ko yebisa déjà bah tout bah parlementaire mingi bah ko boma bango na session wana session ne ko silate mingi bah ko boma bango et ko zala bah crime organisé bah assassinat parce que bango balingi ba baebi ki bazo kende bazo ko tenter le tout pour le tout et bato balingi ba mbongo na bango soki bo sali musalo bango balingi te bako boma bino bato bazali ko gêner bako intimider bino et mais eloko ya ko banga ezalité donc il faut ko alerter ba service il faut ko alerter ba pays ami il faut ko alerter tout le monde peuple congolais puisque ba tchemi solo bah tchemi solo pour ne pas faire voter loi organique organisant n'est-ce pas donc référendum pour na que troisième mandat et ça la mana Congo donc ça dit passage en force wana baza koya na mona na session oyo et ça kufungwama dans deux semaines bande ko na ngai tozali wana ba sinzili na bino tozali wana ko informer bino donc mboka na biso etikali na singa muke pour na to kata to mona lumière et si ngayango et tirer na passage oyo ya session oyo session ouverture à session oyo yo politicien congolais soki ba kokona yo bazay ki vraiment ba congolais sale la mboka yo ministre congolais soki ba kokona yo bazali ba congolais sale la mboka na yo puisque tozali ko se libérer na mboka na 2016 oyo et libération la pesali ko passer la session oyo donc de tous les dangers na yango toza ko senga na ba politicien congolais to bele la ka politicien ni muta bongsa ka mboka politicien ni muta linga ka mboka eza la eke liboso population za moderniser ba mboka etambole za la moderne moderniser bino mutu aussi mi mbende ya mboka na biso bino mutu ba vota ki bino la population bosse la mboka pour la to libérer mboka na biso et boko kota na histoire ya mboka soki bosse ni erreur boko mi binemi ya population ya libela libela et donc et koza la bienté parce que bo bundi mingi to bunya ensemble to komi na suka kanambe azale lokomo wa kosala te
et puis déjà ninga zali wana déjà zali rejeté et ce qui vous sale erreur monde entier ekolobela kabiso monde entier ekolobela biso et boye ba ki ba partenaire o baza ko linga pe bazali pene na population bazoli linga pe ke donc mboka za libéré ba ko s'en prendre na binou donc ba liwa ezali pene na ba politiciens o ba ko sa ba aventure liwa on est route na kana groupe kanambe et ba liwa on a pe route pe na population ba ko tika ka binoté donc tozo senga na binou tozo pe sa binou confiance confiance au laki si boza déterminé Kanambe il doit partir et session Oyo est à la session Moro et servir d'occasion te pour na après ça bino misolo Oyo et tamboli pour na que bondi ma référendum et référendum on a mutu moko aligné en mode à besoin en mode puisque référendum au salaire bas salaire du bosso on a pour la conscience là et d'ailleurs aussi triqué donc Oyo peut tous en a besoin en mode donc batu Oyo bas pas concevoir en mode yebi bazali na problème na mboka et kanambe botika e akende na régime na ye na batu na ye na ngulupa na ye wana donc on a un autre senga na binono tout bolingo eza na kati na biso tozali ko travailler ensemble biso tozali peuple citoyen peuple congolais donc tozali peuple mokonzi tozui information na ba renseignement na biso eza sur place na Congo. Donc il y a moto sengeli to bel la piololo pour la population eba et population a zo la disposition nayi. Bande ko nangai Kanambe asuki. Kanamba kanisa ki mindele bazali ba tata nayi ba mama nayi. Akanisa ba mindele bazali ba camarade nayi. Donc asuki ba pesa ki ngwende ayeba ki ko milenge la te akende ki esprit barbare puisque il n'a pas été préparé. Akende un esprit ya ko bomaka bato akende mindele ba ko ndimela kayi ayebi histoire te ya Congo même ya mboka ni Rwanda et puis ya Afrique ya monde donc ba utiliser ki ye le la komi na suka bomo na bino moko a organisé dîner na secrétaire général ya ONU mais a boyi ko ye na dîner wana ezali ba incident quand même ezali ba incident diplomatique Bouyeba le chouchou, émissaire ya Obama, Obama tinda kiye, aboy ko yambaye, ezali incident diplomatique. Il s'en fout, puisque ayebi ke akomi na souka. Donc, akanisa ki ke mokili asimbi yango, mokili o yasimba ki mokili ane ko baluki la elobi. Ezala kaka na bisote na mindele, dosye na ezali partout, na bande ko na ye wana, oba ye ko exterminer peuple congolais. Batu oyo ba ye, ko yiba mbongo nkita na biso plus de 500 milliards à faire perdre biso bo inutilement et bungi na ba paradis fiscaux et bungi na ba bourse et bungi boye boye et bungi na ba business ya salaki ya ba bujoba boye bien on na ba île verte 5 milliards et bungaki tout monde sur ba rapport sur ba 13 milliards ba boye donc a bungi si ba mboka ba mbongo oyeko ko développer mboka. Imaginons que 2 milliards de dollars bah tiens on a secteur kaka éducation nationale n'est-ce pas éducation nationale et progresser bah tiens 2 milliards de dollars par exemple en agriculture ou 5 milliards n'est-ce pas agriculture et qu'on a développé alors qu'on s'amuse on va faire mais on va boucler en l'onzo sauf bah tiens 2 milliards na transport na bah infrastructure y a macadam bah ni bah route 2 milliards, n'est-ce pas, la route est bonne, comment vous avez la route? Ce so que vous avez 10 milliards de dollars dans le secteur, secteur moro, exemple, nouvelle technologie. Est-ce que l'objet de la fusée est dans le monde? Ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez budget dans la France. Ce côté, na site gouvernement en France na ba budget na même temps ba vota na ba débat na bango okomona il y a des milliards de dollars na ba secteur ya mboka et tous les secteurs ali secteur ya développement mboka et là secteur moté koza négligé donc bande ko na ngai to yeba session oyo ezali neti nzoku bo betie masasi bo bouke makolo mais akufi na nte. Quelle façon qu'on y est permis à quand on a Trump à boire qui a zozé lorsque on a pas mis une aile position oyo bango ba komi nango ya moana ya moment ba roubé ko ba komi ko
lela kolobo alobaki azali elelonde kanambe makomazali kosala ezali elelo soko ofandi na ye ofandi place yazali lelo yo azali bien te ayebi oyo ekoyelaka ye lobi te afranchi ligne rouge e mboka wana tolobaka ezali ya biso ezali pe na bapartenaire oyo babengi badesideur do biso toza badesidere autochtone toboyaka nambe badesidere donc extérieur baboyi osi kanambe donc c'est-à-dire mboka na biso tozokende na voie ya développement puisque kanambe c'est un frein na développement na Congo il n'a pas été préparé donc bandeko na ngai tozosenga na état-major nyonso ya association awa na diaspora to se remettre en cause to yeba ko canaliser l'énergie na biso to mobiliser l'énergie to yeba loko ni to ni to sala bandeko na ngai élection ya 2006 élection wana pe na diaspora batumi bazala pe kidiba et les gars qui ne mwana ce n'est pas ezali sous l'élection oyo ya 2011 te ya 2011 ezali l'élection ya 2016 te il y a 2016 donc déjà la janvier 2017 bah données échangées il faut tout s'actualiser toi actualiser pardon bah données na biso na ba état major il y a ba association et ba plateforme to yeba qu'est-ce que nous devons faire maintenant tozon akaka soutenir ba élection ba 2006 2011 wana essayer l'équipe to tirer ba leçon mais ba enjeu ezandenge mokoti na 2006 kanambe azalaki ko sepela puisque il avait encore 10 ans de plus puisque ayebayike akosala premier mandat akoyi ko tricher deuxième mandat akoyi ko tricher et lelo yo mindele ba telemeli makambo wana balingi lisusu troisième mandat na Afrique te mes frères sœurs amis compatriotes congolais donc ezali mawa to lobanga ba vidéo il fallait tous la mundele nda pesa biso ligne de conduite donc c'est-à-dire engolo banini na mutu ya mboka na biso to za papaya puisque to moni matché Kérékou en tant que moi na mboka donc atika libo konzi to moni ngombe exemple za ile belé na Afrique awa na Sénégal pareillement ba na mboka batiki bo konzi pona mboka etambola mais ya biso aligné ko telema pour la abriguer troisième mandat puisque azali mutuna bisoté donc toujours rapport à Sopi Mbongo et Belé session Oyo à Sopi Mbongo et Belé à Sopi Poison et Belé à Sopi ba mercenaire et Belé pour la traquer ba député pour la traquer ba tout au ba lié qui Mbongo na déjà au ba cosela et misalaté et na yango toujours le ba référendum objet na bango ya il y a session kalaté ba ko voter yango et ko yeba na pe puisqu'il fait ça public donc au référendum to boy yango référendum to boy yango to za besoin référendum na Congo te pour na troisième mandat kanambe et ba fuite te suite bimi c'est bino to yo ki yango et bimi na source puisque place hier aza ko sala ba réunion na to za li na batu place hier atambola ka to za na batu puisque mboka na ezali ya biso za ya ngana yo nous azali kuna azana besoin pia changement et mingi bazali ko banga mais bazali pe ko benga biso bazali pe ko yisa biso pe ba masolo o ezali ko ko sala mana kuku donc na yango toujours le baké parlementaire député sénateur keba misolo et sopami batu ba le mbongo boyebi donc keba tozana besoin ya mboka na biso za libéré et etikali singa moketo kati to moni lumière donc tout moni nga mususu donc ça dit kanambe asili pouvoir oyali yaki nango ba et sili donc akopesa bo konzité sauf ba manœuvre oyali nga sala et to telemeli yango to lingi yango jamais yango to lobi na ba tinyo tout ingeta victoire aux côté na biso vigilance ezali ya yo ezali ya ngai la liboso na biso peuple congolais muto azali te puisque peuple congolais nazali peuple mokonzi na liboso ya peuple mokonzi mutazalite na sima ya peuple mokonzi mutazalite na likolo ezali nzambe na se ezali peuple et peuple mokonzi ba kolo terrain donc na yango tozo lo baboye donc peuple fungola misu
toti kalina eloko ya muke pona tout mona lumière et session na bango ya suka ya ngoyo ya régime ya kanambe et ko fungwa madan 2 semaines et objet na bango déjà fouté bimi et zali pona ba voter loi organique puisque constitution déjà c'est loba référendum ezali droit constitutionnel mais il faut ba voter loi moko organique donc loi ko ezali ko compléter constitution. Ils ont dit qu'on complétait par annonce la constitution, mais bien une loi organique. Donc, loi organique, ils ont voté dans le Parlement en session. Et il y a un moment où ils ont dit que les gens qui ont été en train de se faire, et il y a un autre lobby, N-O-N. Donc, Kanambe dégage. Tu sais que Kanambe a dégagé et a dégagé avec notre appui et l'appui aussi extérieur. Il y a un partenaire, il y a Congo. Donc on a un autre dossier là-bas, des connus tout confondre le contexte historique et politique. Élection 2006, ça n'a rien à voir avec 2011. Il y a 2011, ça n'a rien à voir avec 2016. 2016, ils allaient faire un mandat. Oya Liboso il jubilait, mais oya y a Siko il pleure. Donc ça dit puisque mandat naie et sili, à quand il s'agit mindele basali ba tata naie, ba mindele basali ba koko naie, mindele basali oba opé ça y est libéré amela. Donc, le peuple lié à Ngo, il y a Yete, il y a peuple congolais. Il y a un autre lobby, Ingeta. Ingeta, victoire est à côté du peuple Ekozala Yabiso, peuple souverain, peuple Mokonzi. Il y a un bonheur de Moutazalarate, il y a un collègue de Nzambe, il y a 16 alliés de Simane Moutazalite. Toke Liboso, Tofu Moulanzela, pour le peuple ACPLA, peuple Mokonzi, peuple souverain, peuple congolais. Merci, 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 Ingeta.